Bigouette, l'avez-vous vu passer? Y a le confet en barouette et puis les bouts du nez cassé. Il y a deux ranges dedans, puis la bouche tout de travers. Quand il fume sa pipe de plate, il a déjà de la vraie misère. Les cheveux tellement longs, ça y traîne sur les talons. Quand il passe devant le barbier, je vous dis qu'il se fait accrocher. Mais si vous le voyez, comme il marche captillé, il a les pieds tellement longs qu'il est toujours enfargé. Il va voir sa bien-aimée tous les jours sans y manquer. Faut qu'on le mette à la porte, il pense plus de s'en aller. Mais toujours qu'un bon soir, on l'invite à souper. Il y a tellement mangé qu'il a manqué de poster. Je sais pas qu'est-ce qu'il a eu, il a crié comme un perdu. Il a été pour 5-6 mois sans manger de soupe au pot. Je vous dis, le pauvre garçon était gêné comme de raison. Il a vu tomber dans le chaudron une vieille paire de chaussons. Si la chose vous arrive, oh mes amis, croyez-moi, lâchez la soupe au pot, téléphonez au bureau de santé. Tarlidim, titam, 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 titam